Je vous propose maintenant d'aller à la menuiserie du CHU de Rouen, rencontrer un menuisier pas comme les autres. Bonjour Ludivine. Ça va? Ça va et toi? Oui. Bon alors comme je t'expliquais, hein, on est allé faire un petit sondage en ville, demander aux gens ce qu'ils pensaient du métier de menuisier, si pour eux c'était plutôt un métier d'homme, de femme ou les deux. Est-ce que ça t'intéresse d'écouter ce qu'ils ont dit? Bah ouais, carrément. Menuisier. Homme. Les deux parce que j'ai eu une nièce qui est ébéniste. Homme. Non, homme-femme. Homme. Les deux. Les deux. Homme. Mais une femme peut devenir menuisier. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je pense que les avis des gens, ça reste à peu près la même chose. Les gens disent femme et homme pour la plupart des métiers. Et donc toi, t'as fait des études de menuiserie, hein, c'est ça. Est-ce que t'as rencontré des difficultés particulières pendant tes études par rapport au fait que tu sois une femme ou pas? Pas spécialement de très grosses difficultés, à part peut-être pour trouver les stages, d'être une femme dans un métier d'homme, ça peut être des préjugés du style on va moins porter ou des choses comme ça. Ouais, d'accord, ouais. Et au cours de ta carrière, est-ce que ton recrutement au sein du CHU, ça a pas été un frein le fait que tu sois une femme là pour travailler à l'atelier menuiserie? Non, ça n'a pas été un frein du tout, ça a été nickel. Et à l'inverse, est-ce que y a des atouts d'exercer ton métier en tant que femme? Bah, je pense qu'il y a certaines personnes qui préfèrent quand c'est des femmes qui sont là pour écouter ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent exactement, et puis peut-être dire que les femmes c'est peut-être un peu plus minutieux que les hommes, selon ce que les gens pensent. Ok, merci. On va maintenant aller voir le responsable de Ludivine. C'est parti. Ah bah, justement, Ludo, c'est toi que je voulais voir, tu tombes à pic. Ouais, alors, je voulais te demander, en fait, si pour toi, ça pose un souci d'avoir une femme dans ton équipe ou pas? Non, pas du tout. Ça a été un choix de notre part de pouvoir recruter une fille au sein de l'hôpital. Et nous, au niveau du travail, au niveau des collègues, ça se passe très bien. Elle est très bien intégrée et... a fait le travail comme les gars, quoi. Et tout se passe bien, tout le monde est content. Eh bien super, merci beaucoup.